Ben, y en a qui connaissent, mais juste pour résumer, donc en fait, Le Curieux, c'est un journal numérique qui explique l'actualité aux enfants, je dirais 8 à 11 ans. Donc en général, on est dans les écoles du 3e cycle du primaire au 1er cycle du secondaire à peu près. Puis on donne aussi des ateliers d'éducation aux médias dans les écoles. Moi, je suis beaucoup pour être dans le primaire. On va aussi au secondaire, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui font déjà dans le secondaire. Donc nous, on est beaucoup au primaire, qui a été délaissé pendant longtemps. Et puis, au contraire, moi, je pense que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer. Donc, je vais rapidement, très rapidement, vous montrer un peu ce que c'est que Le Curieux. Juste pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc, moi, je suis journaliste depuis plus de 20 ans. Puis, on est une équipe d'une dizaine de personnes, dont 4 journalistes avec moi. Et puis, on travaille aussi avec des enseignants qui nous aident à relire les contenus, vérifier que c'est adapté aux jeunes, qui créent des activités pédagogiques pour aider les enseignants à utiliser nos ressources dans leur classe. Nous, nos abonnés, puisqu'on fonctionne avec des abonnements, c'est principalement des écoles au Québec et dans le reste du Canada, francophones, et des réseaux anglophones aussi pour des profs en immersion, en fait. Donc, on est beaucoup dans les écoles, même si on a aussi des familles qui sont abonnées. Notre expertise, évidemment, c'est vulgariser l'information pour qu'elle soit, pour la rendre accessible aux jeunes, en fait, donc leur faire comprendre les choses. Donc là, en fait, dans notre équipe, effectivement, excusez, j'ai parlé des journalistes et des enseignants, mais j'ai oublié quand même une perle chez nous, c'est les graphistes, puisqu'en fait, moi, quand j'ai créé Le Curieux, j'ai vraiment voulu, en fait, qu'on fasse un travail à mi-chemin entre le graphisme et les textes. Donc, en fait, on travaille vraiment de concert où les deux métiers apportent leurs compétences. Nous, donc, les journalistes, dans des textes vulgarisés, de l'information fiable, des textes courts, enlevés, voilà, qui expliquent bien les choses. Puis, en même temps, tout le visuel qui n'est pas que pour du ludique. Oui, évidemment, un texte avec du visuel, c'est plus sympa à lire. Mais c'est pas juste le but, c'est aussi de visualiser l'information pour la rendre plus accessible. Donc régulièrement, je dis à ma graphiste, si tu m'enlèves la moitié du texte pour mettre un visuel à la place, t'as le droit. Donc elle aime ça, puis les jeunes aussi en général. Donc c'est ça, les valeurs qui nous motivent vraiment, tu sais, qui dirigent vraiment notre travail aux curieux, c'est vraiment, tu sais, de rendre les enfants curieux, de leur apprendre à s'ouvrir aux enjeux, à s'ouvrir au reste du monde, à se sentir aussi le fait d'avoir des repères dans ce monde-là, puis d'être inclus dans les enjeux de société. On en parlait ce midi avec les filles de Mage. Là, c'est le fait de voir que les enjeux de société, ils peuvent s'en emparer, ben ça leur donne un sentiment d'empowerment, d'engagement, de confiance, d'inclusion. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus. Donc tous les sujets sont vraiment choisis pour aller chercher l'enjeu de société qu'il y a derrière, d'aller pousser à réfléchir par eux-mêmes, à se poser des questions, à développer leur opinion, puis surtout à la construire sur des faits. Pas des opinions, pas des croyances, pas des fake news, évidemment, des fausses nouvelles, mais à pouvoir donc justifier, argumenter leur opinion. C'est pour ça que dans les classes, bah, évidemment, c'est très utilisé justement pour les aider à développer tout ça. Construire évidemment leur citoyenneté, leur jugement critique, et puis s'ouvrir à la différence aussi. Moi, je suis convaincue que plus on va exposer nos jeunes à la différence quand ils sont jeunes, plus jeunes, de savoir que dans le monde, oui, il y a des gens qui pensent pas comme toi, qui vivent pas comme toi, puis c'est correct, puis c'est parfait, puis on peut vivre en bonne intelligence. Ben, j'ai la naïveté de croire qu'on aura un monde un peu meilleur, peut-être, à un moment donné. Oui, je sais, c'est naïf, mais bon. Donc nous, comme je vous le disais rapidement, c'est l'information fiable sélectionnée par des journalistes, des textes courts qui sont punchés, des illustrations, les nouvelles. Donc évidemment, ce qu'on disait ce midi avec Maj, quand t'écris pour des enfants, ben, tu prends rien pour acquis. Donc chaque mot, chaque concept, chaque date historique, tout doit être réexpliqué. Donc ça, c'est un sacré enjeu, mais bon, évidemment, c'est passionnant. C'est ça qui fait qu'on rend les choses accessibles. Donc rapidement, on a une revue de la semaine. Donc toutes les semaines, en fait, on leur fait un résumé de l'actualité locale, internationale, en fonction des sujets de la semaine. Donc, ils reçoivent ça toutes les semaines. Donc, c'est à peu près 6-7 informations avec des longueurs différentes qui leur parlent. Donc, il y a des sujets un peu plus approfondis. Puis, comme je vous le disais, c'est autant international que ça peut être canadien si il y a une actualité qui vraiment vaut la peine. Ça peut être international. On est beaucoup dans tous les sujets de citoyenneté, comme je dis, d'enjeux sociaux, tout ce qui nous permet, en fait, de les faire réfléchir sur ce qui les entoure. Puis, on termine toujours par un quiz qui est très apprécié des enseignants puis des élèves, évidemment. Et dans le quiz, on a des questions d'inférence
Puis on a aussi des questions d'opinion. On termine toujours par une question d'opinion pour dire, OK, par exemple, là, cette semaine, c'était Kanye West. Bah, par exemple, OK, est-ce que tu penses que des artistes qui sont connus, est-ce qu'ils ont plus de responsabilité quand ils expriment leur opinion? Oui, pourquoi? Tu sais, à réfléchir. Bon, c'est une idée parmi tant d'autres. Quand c'était, l'attribution des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, c'était évidemment, est-ce que tu penses qu'on devrait effectivement aller faire aussi des Jeux Olympiques dans des pays du Sud, ou est-ce que, tu sais, il y a des problèmes d'environnement qui font qu'on ne devrait pas? En tout cas, puis évidemment, à chaque fois, on leur dit, nous, on n'est pas là, moi, c'est mon mot-clé, on n'est pas là pour te dire quoi penser, on est là pour t'apprendre à penser par toi-même. Donc, utilise les faits. C'est des faits, justement. Donc, c'est des faits vérifiés par des journalistes. Utilise ces faits-là. Regarde les opinions des uns et des autres. Dans nos dossiers, tout le temps, on en parlait ce midi, là, tout le temps, le point de vue des uns et des autres. Tu sais, mets ça dans ton shaker personnel, puis prends ton avis, puis développe-le, puis évidemment, évolue avec ça. Donc, la question de quiz, elle sert à ça. Puis, on a un dossier tous les mois qui, là, permet d'aller approfondir un sujet d'actualité. Donc, par exemple, le mois dernier, c'était sur le travail des jeunes, le travail des enfants dans le monde. Donc, évidemment, à chaque fois, on fait le parallèle avec ce qui se passe au Canada, les lois au Canada. Donc, encore une fois, pour leur montrer la différence entre ce qu'ils vivent puis ce qui peut être vécu ailleurs, leur faire poser des questions sur leur échelle de valeur, sur... la réalité du monde. Il y a toujours, pareil, on fait toujours attention à l'anxiété quand on parle. Nous, c'est sur tous les sujets. C'est environnement, enjeux sociaux, c'est vraiment très, très large. Là, on fait un sur le métaverse, donc c'est vraiment de tout. À chaque fois, on termine toujours par quelque chose qui peut, donc évidemment, leur donner l'équilibre des opinions, quand on sait que c'est un sujet qui cristallise des opinions, qui polarise des opinions. Puis, quand c'est des sujets anxiogènes, c'est toujours de leur redonner l'action entre les mains. Le gaspillage alimentaire, c'est une réalité. OK, mais à la fin, toi, tu peux faire quoi à ton niveau pour lutter contre le gaspillage alimentaire en leur donnant des trucs, par exemple? Et on a donc toujours des activités pédagogiques en lien avec des sujets. Puis nous, on considère, on pourra en parler à la fin cet après-midi, mais on considère qu'il n'y a aucun sujet tabou. Ce n'est pas parce que c'est des enfants qu'on ne doit pas leur parler d'agression sexuelle, qu'on ne doit pas leur parler du contrôle des armes, qu'on ne doit pas leur parler de laïcité. C'est des choses qu'ils vivent dans leur vie quotidienne. Leur parler des choses frontalement avec des objets, avec des faits, pour remettre les choses dans leur contexte, puis après mener une discussion plutôt que de faire l'autruche. Non, ça n'existe pas. Ils en entendent parler. Donc, en deux secondes, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant quand il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo en France. Il y avait une directive ministérielle qui faisait que tous les élèves devaient avoir entendu parler de ça à l'école. Donc, leurs profs devaient leur en parler, même en maternelle. Puis maternelle, en France, c'est 3 ans. Là. Puis moi, je me suis dit, oh my God, les attentats de Charlie Hebdo à 3 ans. Mais je trouve ça incroyablement intelligent. Parce que du moment que tu le fais de façon adaptée, c'est évidemment, ils ont vu les militaires dans la rue, ils ont senti le stress des parents. Si tu leur en parles pas, c'est anxiogène, c'est encore pire. Donc, de leur en parler de façon adaptée et accessible, moi, je trouve qu'au contraire, c'est ça qui fait devenir des citoyens éclairés. Et puis, moi, c'est ce qui me passionne. Donc, voilà, des idées d'activités pédagogiques. Après, on fait des archives et ça. On fait aussi donc, des ateliers d'éducation aux médias, à l'information. On en a plusieurs. Ce qu'on vise, c'est effectivement à leur faire reconnaître les fausses nouvelles, donc dès 4e, 5e, 6e année, 3e année, des fois, leur expliquer le métier de journaliste. On en fait un sur les coulisses de l'info. C'est super intéressant de leur montrer une nouvelle, donc une information qui est de qualité. Regarde tout le chemin qu'elle prend. Tu sais, le travail de recherche des sources fiables, d'information, de vérifier l'information, le nombre de professionnels qui travaillent là-dedans, la réviseure correctrice, la graphiste, de voir. Et c'est pour ça que quand, j'en parlais tout à l'heure, on fait un atelier sur les fausses nouvelles, puis quand on leur dit « mais pourquoi les fausses nouvelles circulent 6 fois plus vite que les vraies nouvelles d'après toi ?» Puis que tu as un jeune qui dit « parce que les fausses nouvelles, c'est beaucoup plus rapide à construire, ne serait-ce que ça ?» Tu dis, OK, ils ont compris que pour faire de l'actualité, de l'information fiable, ça demande du temps. Et donc, évidemment, c'est plus difficile à construire, mais c'est pour ça que c'est de qualité. On en fait aussi... Donc là, nous, on a décidé, comme je vous disais, d'aller dans le primaire. On en fait sur la liberté d'expression. On en fait sur différents sujets de citoyenneté numérique, aussi sur maîtrise ton identité numérique. Tout ça, c'est... est-ce que la liberté d'expression sur les réseaux, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Pas le droit de dire? Comment ça... Donc, les faire réfléchir à tous ces enjeux-là. Puis dans le primaire, moi, je trouve ça fondamental parce que c'est des sujets qui les allument, parce que c'est des éponges, parce que, encore une fois, le fait de leur dire « mais tu fais partie de la solution. Les fausses nouvelles, tu sais, déjà, comprends le risque qu'il y a, c'est pas juste, tu te fais manipuler. Oui, c'est important de pas se faire manipuler, mais aussi, il y a des impacts réels dans la vie des gens.
des fausses nouvelles, ça peut être dangereux aussi. Mais tu fais partie de la solution, tu peux faire ton morceau, tu sais, ton bout de chemin à toi, puis ça, c'est, ça les engage beaucoup. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ce que je voulais vous montrer, si tu peux montrer l'autre PDF que je t'avais donné, s'il te plaît, Patrick. On a fait une opération pilote l'année dernière, qui n'est pas une résidence comme dont tu parlais ce matin, Sidonie, mais quand même, j'étais allée faire, je pense, 7 ateliers de 2 heures au final, puis on était en lien tout le temps avec l'enseignante dans une école, donc en 6e année à Outremont. Et en fait, les jeunes avaient créé un magazine scolaire, de bout en bout. Donc on avait choisi l'audience. Est-ce que tu parles à tes parents, aux élèves de l'école? Est-ce que tu parles à des adultes, à des jeunes? En fonction de ça, ils avaient choisi leur sujet. Puis là, on les avait laissés libres de choisir le sujet qu'ils voulaient. Et donc, c'était vraiment génial parce qu'il y en a qui sont allés interviewer un muraliste. Il y en a qui ont fait quelque chose sur le racisme systémique. Des gamines de 6e année qui sont allées interviewer Boshra Manaï sur le racisme systémique. Je trouvais ça incroyable. En tout cas, il y a eu plein de sujets comme ça. Il y a eu sur les jeux de soccer. Il y a eu, en tout cas, des sujets très divers. Mais c'est eux qui avaient choisi, ils étaient super motivés. Puis on leur avait laissé la possibilité d'écrire des articles, de faire de la vidéo, de faire de l'audio, tu sais, comme ils voulaient, avec les moyens du bord, évidemment. Donc il y en a qui ont rajouté des vidéos, d'autres non. Il y en a qui ont fait des illustrations. Donc ils ont vraiment fait tout, tu sais, la recherche d'informations, trouver les personnes à interviewer. Ils sont partis même le week-end, les parents les ont emmenés faire des interviews. Donc ça aussi, je trouvais ça super, l'implication des parents. Et puis après, ils ont fait leurs articles relus. En tout cas, on a refait tout le travail. Puis à la fin, on l'a... Donc, je ne sais pas si tu peux faire défiler. Excuse-moi, Patrick, moi, je pense que je ne pourrais pas. En fait, notre graphiste a mis tout ça en page juste pour valoriser de façon visuelle ce qu'ils ont fait. Mais tout ce que vous allez voir là, c'est vraiment les articles des jeunes, écrits par les jeunes, évidemment, sous notre gouverne. Mais je veux dire, nous, on n'a pas retouché le fond. Et comme je vous le disais, écoute, il y a même des sujets. Il y en a qui en ont fait sur la mutilation. Sur la motivation, c'est vraiment, vous le verrez sur notre site si ça vous le voulez, là il est accessible à tout le monde, ils sont allés faire des photos pour illustrer leurs articles, il y avait un enfant qui venait de Hong Kong, qui a écrit des choses sur Hong Kong aussi, qui a interviewé un jeune de Hong Kong pour savoir c'était quoi sa vie, donc ça c'est un nouvel atelier qu'on a fait, que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'ils ont appris la démarche journalistique, ils ont appris à ouvrir leur curiosité, ils ont appris à vérifier l'information, à aller parler, à faire une entrevue avec quelqu'un, il y en a qui, je me souviens des filles qui avaient fait un article sur la Croatie, mais tu sais, elles ont dû téléphoner à une agence de voyage, puis le gars, il n'avait pas le temps, puis elles étaient super stressées. Finalement, le monsieur, il a répondu à leurs questions, elles étaient super fières. Donc non, c'était vraiment une super belle expérience, puis tu sais, qui permettait un peu justement de revoir tout ce qui est... Il y avait comme plein de disciplines, plein de compétences en fait qui étaient cristallisées dans ce projet-là. Et les parents, au début, à qui on avait demandé est-ce qu'on peut le diffuser librement, ils avaient... Plein avaient dit non, parce qu'ils ne savaient pas trop. Puis on a fait une présentation devant les parents, puis on leur a posé la même question à la fin. Ils ont tous dit oui, tellement ils étaient fiers, t'es contents de voir ce que leurs enfants avaient fait. Puis ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables d'aller aussi loin dans les démarches. Donc c'est ça. Donc voilà le curieux, en gros, à quoi ça ressemble. Merci de votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.